Le musée et le centre de créativité Nagui Barfouz est un nouveau monument égyptien sur la scène de la culture internationale. Du cœur de l'ancien Caire, il nous donne une vue sur le mode auquel le défunt prix Nobel égyptien était étroitement lié. Et cela se manifeste dans ses créations et éternelles collections romantiques. Les collections du musée Nagui Barfouz remises au ministère de la Culture par Om Kalsoum début 2011 comprennent des objets intimes tels que deux stylos, un feutre et un stylo encore que le grand écrivain Tawfiq El-Hakim, connu pour son économie, a offert à son ami Nagui Barfouz. Il y a aussi des vêtements du grand écrivain égyptien, sa montre en métal, ses lunettes, une loupe pour la culture, des accessoires de rasage, un chapelet et un morceau de roche du mur de Berlin qui séparait l'actuelle capitale allemande en deux parties à l'époque de la guerre froide. Thank you.
visiteurs de ce musée et du nouveau centre de créativité égyptien rencontrent les personnages du monde de Nagi Barfous et de ses films, ainsi que la ruelle égyptienne qui a inspiré ses créations. De même, il interagit avec les échos de son long et riche parcours et sa carrière littéraire qui est une marque pionnière de la littérature arabe moderne. Le premier étage du musée abrite la salle El Hara, la ruelle, et présentait le film El Hara, qui revient sur l'environnement populaire, qui a influencé l'imagination du défunt. La salle d'El Sir al-Masriya, biographie et parcours, expose certaines affaires personnelles de Mahfouz. Sur les murs, on peut voir la biographie de Mahfouz avec des photos, le montrant au café et avec les gens. Thank you.
Dans la salle de cinéma, des scènes tirées des œuvres les plus importantes de Nagui Mahfouz sont projetées, qu'il s'agisse d'œuvres adaptées au cinéma et d'œuvres à la rédaction desquelles a participé Nagui Mahfouz. Dans la salle des Nobels, le certificat du prix Nobel est affiché sur les murs. Nous trouvons les raisons de l'octroi de ce prix à Mahfouz et le discours prononcé lors de la cérémonie de remise du prix, ainsi que des photos des lauréats du prix Nobel de la littérature depuis sa création en 1901 jusqu'à la date d'ouverture du musée. La salle est nommée « Les rêves du départ ». Renferme les plus importantes acquisitions de Mahfouz, son dossier professionnel et les cahiers dans lesquels il notait ses observations sur la mort et la vie. La salle des Lamentations expose le collier du Nil. La salle de monuments réussit à exposer le bureau et le fauteuil de Nagui Mahfouz, où il prenait place pour écrire ses grands romans, avec autour plusieurs dizaines de livres qui parlent de Nagui Mahfouz, et l'arrière-plan, un documentaire sur le prix Nobel, dans lequel il reflète sa philosophie de la vie, l'amour et la mort.
La bibliothèque des œuvres de Nagui Barfous comprend les œuvres du grand écrivain et leurs différentes éditions traduites en langue étrangère, en plus d'un salon VIP. Le 14 octobre 1994, alors que Nagui Barfous se préparait à se rendre à son séminaire hebdomadaire et devant la maison 172 rue Enil à El Agouza, son ami, le vétérinaire Fatah Hichem, l'attendait pour l'emmener au séminaire. L'homme de lettres et prix Nobel était assis à l'avant. Alors que Hicham se tournait vers l'autre porte du véhicule, une personne s'est approchée de Nagui Barfous. Ce dernier a pensé qu'il s'agissait d'un lecteur venu lui serrer la main, comme il en avait l'habitude depuis qu'il a reçu le prix Nobel, le 13 octobre 1988. Mais cette personne a sorti un poignard et a attaqué Barfous au cou, lui causant une profonde blessure, puis a pris la fuite. Grâce au roman « Aulad Haretna, les fils de la Madina », publié en 1959, Nagui Barfous a obtenu le prix Nobel de la littérature. Le roman était l'une des raisons de l'incitation à son assassinat. En octobre 1994, Nagui Barfous a été poignardé au cou par de jeunes hommes qui avaient décidé de l'assassiner à cause de son roman controversé, les fils de la Madina. Dans l'une des vitrines, on trouve un ancien cahier que Barfous utilisait pour s'exercer à l'écriture, après la tentative d'assassinat. Le musée Nagui Barfous est un musée égyptien créé en l'honneur d'un créateur égyptien, présent dans la conscience égyptienne et mondiale. L'Égypte fait honneur à ses grands créateurs, adapte les rythmes de l'avenir à la mélodie de la créativité et offre au monde une nouvelle marque culturelle. Le musée Nagui Barfous, avec tous ses symbolismes, a une importance mondiale, surtout avec le grand intérêt accordé par les lecteurs du monde entier aux œuvres de cet écrivain égyptien et ses chefs-d'œuvre romanesques. La raison la plus importante de cette passion vouée aux œuvres de Nagui Barfous est qu'elles peuvent être interprétées de différentes manières. Les œuvres créatives de Nagui Barfous dans l'environnement égyptien continue à inspirer les œuvres dramatiques, que ce soit sur le grand ou le petit écran.
Le visiteur de ce musée trouve beaucoup de plaisir à visiter la salle de cinéma et à voir des photos de ces différents caractères, comme Ahmed Abdelgawad. Tout ceci donne à ce musée de multiples dimensions, en tant que l'un des piliers de l'histoire culturelle en Égypte.